Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur Canal Algérie et bienvenue parmi nous pour une nouvelle aventure de votre émission Entre Parenthèses, une parenthèse de 90 minutes à travers laquelle vous allez découvrir ou redécouvrir nos invités sous un autre angle. Bonsoir encore une fois et bienvenue parmi nous sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre émission Entre Parenthèses. Il est l'heure pour moi d'aller rejoindre mes invités. N'oubliez pas, vous êtes conviés. Monsieur et dame, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça va? Bien installé? Bien. Tranquille. Ne soyez pas timide. Hein. c'est moi qui vous ai invité à partager ce dîner avec nous. Ça va? Je vois des visages inconnus, on va dire, à découvrir. Je parle de Tarak, pas de toi, Yassine Ouzel. Hein. Et des invités de l'Algérie, de entre parenthèses, bien évidemment. Et on va. Écoutez, messieurs, si vous permettez, on va commencer avec les femmes. Bien évidemment, à ma droite, une comédienne, plus à présenter, une comédienne au cinéma, au théâtre et à la télé, et que nous avons découvert la dernière fois lors du feuilleton phare du mois sacré de Ramadan à la télévision algérienne. Et il s'agit donc de Nawel Zemit. Nawel, bonsoir. Bonsoir Monel, merci de m'avoir conviée en rouge et noir comme Jeanne Masse. Merci d'être là, c'est tout un notre honneur et l'honneur de... Bah, tous nos invités, à l'image de Malia Saadi. Bonsoir Mounir. Ça va? Ça va très bien. Tranquille. Merci pour l'invitation. Bah, c'est nous qui sommes ravis de vous avoir parmi nous. Merci. Ça va tranquille. Alhamdoulilah, très Malia Saadi, c'est cette voix qui essaye de promouvoir de l'autre côté de la rive, de l'autre côté de la Méditerranée, de la rive nord, on va dire, parce qu'on est dans la rive sud. La promotion. Et d'ailleurs, Monsieur Bhar est le titre d'une chanson extrait de votre album. Malia Saadi, bonsoir encore une fois et bienvenue parmi nous. Merci Mounir, merci beaucoup. À notre grand monsieur, la promotion du Chehabi au féminin en France et une icône de la chanson Chehabi, une star de la chanson algérienne, et on va dire arabe. Cheikh Nabil Qader Chehab, bonsoir. Alors, nous disons Massal Khair alaykoum et bonsoir tout le monde. C'est mieux. Merci pour cette invitation à venir. C'est moi. Merci. Mahba Bek Cheikhna. Et bienvenue parmi nous. Et vous allez ce soir découvrir et côtoyer, bien évidemment, des stars et des stars montantes, telles que le fils, Malia Saadi est la fille d'un autre grand monsieur, tel que le fils d'un autre grand monsieur de la chanson algérienne, Kabil plus exactement, et Zoran. Mais là, je présente Yassine. Yassine Mezian, bonsoir. Bonsoir. Slameur, chanteur, auteur-compositeur. Oui. Ça va? Compositeur un petit peu moins. Bah si, si, quand même. Si. Ça va? Alhamdoulilah. Merci d'être là parmi nous, Yassine Mezian. Merci à vous de nous avoir invités. Ah, vous êtes passé du slam à la chanson, transition? Non, c'est plutôt de la chanson, slam, en vérité. Ah, d'accord. Et retour à la chanson. Voilà. N'allez pas dire le contraire. Voilà. Ça, c'est fait. Je disais invité de l'Algérie, une amie de l'Algérie. C'est une Algérienne quelque part, une Tunisienne, parce que je pense qu'il n'y a plus ces frontières entre, frontières. Que ça soit entre la Tunisie, l'Algérie, tous ces pays. On est tous citoyens du monde et surtout lorsqu'il s'agit de la chanson et la musique qui est entre nous. Céline Ben Moussa, bonsoir. Bonsoir Mounir, merci bonsoir pour cette charmante invitation. Beau dressage. Voilà. Attention, Hichem nous a concocté ce soir ce qui paraît du poulet ou de la viande. On va découvrir. Vous allez même noter notre chef. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Céline Ben Moussa, c'est aussi cette très belle voix de la musique andalouse et aussi qui fait partie de ce projet monté par Mourad Achour, que nous saluons, animateur producteur à la radio Beurre FM en France. Le Chehabi au féminin. En face de vous, je pense que vous vous êtes déjà produite à Qlera. Oui, deux fois. À exactement, dans la ville de Tipaza. C'est là aussi qui est ville de la musique andalouse. Il est originaire de cette même ville. Ah. Il s'agit de Tarak Loqlaei. Ben Talab, son nom d'artiste, Loqlaei, bien évidemment. Voilà. Il vient là pour parler de son talent, mais aussi de son nouveau-né, son album. Tarak Loqlaei, bonsoir. Bonsoir, Monir. Bonsoir, les invités, ça va? Merci pour l'invitation.
C'est un plaisir d'être parmi vous. Ah, merci. À la découverte de Tarak Loukhlaï, cette très belle voix aussi, ce produit, le magnifique produit qui est composé de plus de 9 titres, je crois. De 14. Oula, oula, je suis très loin. 14 titres. Encore une fois, bonsoir. Ah, bonsoir. Et ça va, vous êtes bien installé. Ah oui, super bien. Ça va bien. On est avec des diamants. Là, oula. Ah, oui. Et le plus grand diamant, c'est bien vous, évidemment. Ça fait plaisir. Un plateau orné de diamants ce soir, c'est tout un autre honneur et aussi à l'honneur de nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent ce soir. Et je veux une victime, enfin, musicalement parlant, pour commencer cette soirée, on va dire. Et une victime, celle qui a accompagné... Avant de trouver la victime, on va saluer celle qui va accompagner toutes ces victimes, notre pianiste Amir Ben Abdallah Nadjar. Bonsoir Amir, ça va, bien installé? Toujours nickel, hein, j'adore la nouvelle coiffure. Et ma victime est notre invitée, notre Algérienne. Prise d'otage. Notre Algérienne Serine Ben Moussa. Ben avec plaisir. Ça sera la première donc chanson, c'est une chanson écrite par vous-même. Dama, c'est une chanson qui parle de... D'une larme qui coule. Mais en insinuant. Alors, ça peut être une larme de joie, comme une larme de tristesse, de douleur, d'amertume. Donc je vous laisse, voilà, oui, de poussière peut-être, allergie, on va étayer toutes les causes possibles. Voilà, expose, là, voilà. Évidemment, c'est à l'heure de parler. Qui n'a pas versé une larme dans sa vie au moins une fois? Pas moi, en tout cas. Ça fait du bien, en tout cas. Ça fait du bien. Et je plaisante, bien évidemment. Et donc, Céline, c'est une bonne idée. Ça fait du bien. Et en fait, je décris le parcours de cette dama. Je commence par décrire Zbaba, je dis Fi Zbaba sarat aynaya, qatr ad-dam'a yghatti alayya, yahjab nour w nour alayya, idour swad ad-dunya biya. Et je vous laisse découvrir la suite. Eh bien, c'est en musique, sous vos applaudissements, Céline Ben Moussa, Dama, ce soir dans Entre Merci. Parenthèses. في الذبابة صارت عيناي قطر الدم هيغطي عليا في الذبابة قطر الدم هيغطى عليا يحجب نور ونور عليا يدور سواد الدنيا بي على خدايا تحكي معاشا صارت فيا سال الدمع على خدايا تحكي معاشا صارت فيا سال الدمع على خدايا سال الدمع على خدي على خدي رسمة سواقي الدمع اللي شرحت رماقي على خدي رسمة سواقي الدمع اللي
جرحت رماقي لا مرويت فاحدقي باقي سواد وترسمت به سواقي لا مرويت فاحدقي باقي سواد وترسمت به سواقي خلطت لي شفاك الشمرة دمعت لي عشا والغادرة خلطت لي شفاك الشمرة دمعت لي عشا والغادرة في حلقي حملت مرارة وشدتني وصاب حرارة بحرارة سال الدامع لا خدايا تحكم واشا صارت فيه سال الدامع لا خدايا تحكم واشا صارت فيه سال الدامع سال الدامع سال الدمع على خدي سال الدمع سال الدمع سال الدمع على خدي. برافو برافو برافو. Merci. Les applaudissements se sont faits naturellement. Bravo. Merci beaucoup. Belle voix, belle chanson. Ouais. Et je pense qu'on était tous entraînés par envoûté. Cette belle voix aussi, envoûtés par aussi les paroles de cette magnifique chanson. Neville Smith, un avis ? Je dirais que c'est une très belle métaphore de la désillusion, voilà. Oula. J'ai eu de la tristesse pour cette petite larme. Voilà, c'est un voyage ça, qui ça me touche, oui. Puisqu'en fait, c'est on va dire, j'ai écrit deux chansons en fait jusqu'à présent. Et c'est la deuxième chanson que j'ai écrite. D'habitude, je compose. Je compose. Là, voilà, c'est une chanson écrite et composée voilà, par moi-même. J'ai eu la chance bravo. De découvrir cette chanson un soir, mm-hmm. après mon concert. Sérine était venue, parce qu'on est très amies. Elle était venue me voir chanter. Et à la fin du concert, on a été prendre un petit thé. Et elle m'a dit, regarde la chanson que j'ai écrite. Je lui ai dit, Sérine, elle est juste sublime. Je venais d'écrire le texte. Et donc, pour moi, c'est... Et là, on comprend que c'est ça. J'ai eu l'exclusivité. J'ai eu l'exclusivité d'écouter cette chanson. Et là, pour la première fois à la télé. Voilà. En exclusivité ce soir. Mais il faut, dans, mais entre voir aussi, oui. Il faut entendre la chanson avec un grand orchestre. Alors là, ah oui, 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 ça donne autre chose. Ça donne autre chose, oui. Alors, Cherna, que pensez-vous de la belle voix de oui, Anna, c'est pas d'aujourd'hui que je l'ai oui, entendue. Oui, évidemment, on connaît ces célèbres moussettes. On s'est reparlé, Marcoum Gare. Oui, c'est vrai. On a chanté déjà ensemble là-bas à Paris. On a fait un duo chez Clarion et B2B. Magnifique. Là-bas à Paris, on est pour plaisir. Il est venu me voir à Coléa. Oui. Oui, oui, j'étais oui. invité, c'est là que je l'ai connue. Avec... Voilà. Elle a chanté le Haqq Yadi al-Saha. En tout cas, ouais. ça m'a touché, ça m'a énormément fait plaisir. Yassine Mezian, tout à fait autre chose. Il nous a bluffé. Moi j'étais dehors. On va partager ça avec nos téléspectateurs pour expliquer, pour simplifier la chose. Yassine Mezian était en train aussi, dans les coulisses avant de commencer notre belle soirée, d'imiter un vieux qui était en colère contre ses proches qui sont venus lui rendre visite dans une maison de retraite, c'est ça ? Eh bien, vous allez voir la suite, c'est autre chose. Oula, c'est bien plus que ça. En avant. C'est quelqu'un qui est en colère contre l'Algérie d'avant et l'Algérie d'aujourd'hui, qui a vécu les deux temps et qui regrette des choses et qui est quand même content de certains changements. Et ça n'engage que lui. Un vieux nostalgique. Voilà. Excellent. Et c'est lorsque vous entendez des voix telles que Selim Belmoussa ou encore Malia Sadi, vous connaissez certainement, dans la chanson Shabi, Haouzi, et vous qui êtes dans un autre style tout à fait différent que celui cité en dernier, le slam, d'abord, c'est quoi le slam ? Pour le commun des mortels, c'est... Le slam, en fait, c'est pour faire court, parce que ça peut être beaucoup de choses, c'est pour résumer, c'est un mode de vie. D'accord. Tout comme la musique, tout comme le cinéma, c'est un mode de vie. C'est à partir du moment où on se réveille le matin, on a quelque chose.
C'est quoi? C'est cette fibre artistique, c'est cette volonté d'écrire. Parfois, ça ne vient pas. Et ça, c'est ça le charme, en fait. Le slam, c'est de se réveiller, d'écrire et d'essayer de monter sur scène et de parler. C'est concrétiser, on va dire, ces états d'âme, on va dire. Voilà. Concrétiser ces états. Le slam, c'est un petit moment, c'est une petite période. Voilà, c'est une petite période, mais beaucoup plus. Beaucoup plus, je dirais, parce que le slam, c'est ce petit moment où on prend le micro et on ose dire. Tout simplement. Ça s'est développé. C'est de la poésie, voilà. C'est beaucoup mieux qu'en série mais. Ça a commencé chez nous. Hein. C'est à l'époque le Boukalat et les Berbères quand ils se retrouvaient autour d'un feu pour dire les poèmes. Ça, c'était du slam. Oui. On n'a pas attendu les Américains pour connaître le slam. Le rap, soft et poétique. Voilà. C'est du parler. Le rap, c'est une façon de parler. Voilà. C'est un franc-parler. Voilà. Le rap est un enfant de cette famille du slam. Ah, il y a beaucoup d'enfants. Il y a la poésie classique, il y a la poésie urbaine. L'enfant. Voilà. Et le tout est une légitime. Voilà. Malia Saadi, vous disiez que tout ce qui est poétique et la chanson Chabi ne manque pas de ça. Oui, poésie bien sûr. Avec ça. Et bien encore sûr. Une poésie à déchiffrer. Lorsqu'il s'agit de textes lourds, très lourds, exactement. Vous avez baigné dans la chanson Chabi. Oui. Vous êtes, vu que vous êtes la fille d'un grand monsieur de la chanson Chabi, Sissel. Oui. Et est-ce que c'est le papa qui vous a inspiré ou c'est juste Malia qui s'est rendue, qui s'est donnée à la chanson Chabi? Je pense que c'est lui le coupable, mais ceci dit, ça ne s'est pas fait. Non, je ne suis pas victime, au contraire, j'ai beaucoup de chance et je le reconnais, d'avoir grandi, d'avoir déjà mon papa comme papa, parce que humainement, c'est un homme formidable. C'est bon, monsieur, oui, que nous saillons ce soir. Tonton Abdelkader le connaît très bien, parce que c'est des amis de longue date. Et qui a chanté le jour de votre naissance. Oui, vous avez chanté le jour de ma naissance. J'allais le dire. Très bien. Voilà. Après le Chabi, c'est vrai que j'ai commencé à chanter jeune. J'ai fait un peu de tout, j'ai essayé un peu tous les styles. Mais je ne sais pas pourquoi il y a ce Chabi qui vient toujours, qui revient à la charge. Et je crois que c'est dans les veines, j'y peux rien. Le Chabi et la musique, c'est la chanson. Quand je chante, c'est le Chabi que je ressens le plus quand je chante. Donc c'est le style de musique qui me donne le plus d'émotion. Et je suppose que c'est parce que j'ai grandi là-dedans, tout simplement. Non, c'est moi, c'est mon histoire. Le Chabi, la musique, la chanson sont venus naturellement vers Malia Saadi. Oui. Et est-ce que la comédie et le cinéma sont venus naturellement vers Neil Smith? Je crois, oui. J'ai été très jeune inspirée par les grands classiques. Greta Garbo, Marlène Dietrich, voilà, Nathalie Wood. Et... Rien que ça. Voilà. Rien que ça. Hassan Al-Hassani, Keltoum. Voilà, et donc je crois que c'est ancré en moi, voilà. Ancré en vous, Neil Smith, est-ce que vous vous rappelez de votre premier rôle joué? Je ne dis pas de premier rôle joué, que ce soit à la télé ou au cinéma, parce que là, on dit, ils me disent la télé, cinéma, oui. Je parle de téléfilm et de film ou cinéma. Est-ce que vous vous rappelez de votre tout premier rôle? Alors, mon tout petit rôle. Auprès de vos amis, de la famille, de... Est-ce que Neil Smith est, on va dire, comédienne? Comédienne quelque part. C'est-à-dire, est-ce que c'est une seconde nature en moi? Oui. Oui, je pense. Au moins, elle est proche. Allez, je ne suis pas fausse. Non, non. Expliquez-nous. Je crois qu'il y a une petite histoire derrière. Oui, je pense. Des insinuations. Là, ma mémoire me fait défaut. Oui. Mais bon, mon premier petit rôle a été au théâtre, pour ainsi dire. Voilà, dans une pièce théâtrale de Mahbub Stambouli. Voilà, la chanson de Mahbub Stambouli, Yabhar. Voilà, et donc. C'est ça, la chanson de Mahbub Stambouli. Et donc, ça a été Hub wa Junoun fi Zaman al Mahbub. Donc, une idylle lyrique et poétique. Donc, j'ai eu le petit rôle de Aouisha. Et c'est dans quelle année, là? Je crois que ça remonte à une dizaine d'années. D'accord. Voilà. Et après, il y a eu proposition, bien évidemment, de... Je faisais de la danse à l'époque, de l'expression corporelle. Aussi, hein. Voilà. J'en ai fait mon métier pendant 7 ans. C'était où? À l'époque, c'était le CCI, alias l'ONC. D'accord. Oui. Et par la suite, j'ai bifurqué vers la comédie. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez regretté d'avoir
quitté la danse pour la comédie. Non, je ne regrette jamais. Vous êtes toujours j'ai dans des le... bobos oui. Suite à la, ah, à la d'accord. danse. Voilà. Oui, voilà. Donc, c'est comme tout athlète qui se respecte, qui quitte après une blessure. Voilà. Tout à fait. Donc, non, la comédie, c'est mon univers. Voilà. C'est ma petite bulle. Noël Smith, c'est une... Ça n'engage que moi, encore une fois. J'ai pas tendance à donner mon avis à la télé, mais je le dis, je crois. Est-ce que vous vous rappelez le jour où on s'est croisés sur un plateau télé, à la télévision oui. indirecte ? C'est la première fois où je croisais Noël Smith. Je l'ai bien regardé, je dis ah bonsoir, ça va Noël ? Vous étiez excellente dans Délice Paloma. Après, il y a eu, oui, on va dire, échange assez. Non. Je t'ai titillé, mais bon. Titillé dans le sens, et elle croyait que c'était juste pour la naguer, or que j'étais plus que sérieux. Et elle interprétait son rôle divinement. Oh, c'est gentil. Dans je le film Délice Paloma de son réalisateur Nader Mokhtarech. Et on a vu Noël Smith autrement dans un rôle assez osé, on va dire. Voilà. Contrairement à la télé, dans des rôles assez doux, très soft. Très soft et, voilà, c'est une belle expérience le cinéma. Très belle expérience. J'ai incarné le rôle d'une fille de joie et c'est un film qui retrace la société algérienne, son éthique, sa morale et ses mœurs. Voilà. Très bien. On ne va pas se voiler la face. Et Noël Smith, ce soir, vous allez la découvrir autrement. Quand je dis autrement, elle chante elle aussi. Ah wow. Je ne suis ni une cantatrice, ni une diva. Ça va être une petite tentative. Oui, mais préparez-vous. Hein. J'aime ça. J'aime ça. Là, ça suffit amplement. On n'a pas besoin d'être cantatrice, oui, mais c'est vrai qu'il faut aimer ce qu'on fait. Exactement. Oui, ça viendra. Cher Nacha, oui, elle est confortable. Tarek Lokhlaï. Ça va. Deux écoles vous parlent. Le Grenatia et le Bechtarzia. Le Grenatia de l'année 97 jusqu'à 2011. Oui. Et le Bechtarzia, c'est la fin 2011. Après, quelques il y a mois. Eu l'expérience avec le groupe Djohara. Ah, voilà, exactement. Voilà. Après le groupe Djohara, il y a eu l'indépendance. L'indépendance. De l'Algérie. L'indépendance. 62. C'est vrai qu'il est de la palisse. Il a tout juste 23 ans. Ah oui. Il vient de qu'elle ferme les échelles. Alors, il y a eu l'indépendance de Tarek Lokhlaï. C'était deux grandes écoles pour vous. Vous vous êtes formé là-bas. Vous jouez sur un instrument, à savoir le violon. Le violon. Une formation andalouse très importante. J'ai commencé par la mandoline. Ah, d'accord. À l'âge de 6 ans. Mais après, j'ai joué sur le violon. Et vous avez choisi comme instrument musical le violon. D'ailleurs, c'est avec cet instrument que vous produisez lors de spectacles et de fêtes de mariage, car vous en fêtez beaucoup. Alhamdoulilah. Surtout ces deux dernières années. Ça va, alhamdoulilah. Et c'est maman qui est derrière vous, qui vous encourage? Ah oui, la famille, la maman, tout le monde. Des amis, plein d'amis. Je citerai à titre d'exemple Yazid Balote, qui est également, lui, voix de la chanson, plutôt voix de l'association musicale Dar al-Ghernatia d'Orléans. Et là, vous vous êtes lancé, comme elle a osé jouer des rôles assez osés. À 23 ans, Tarek Lokhlaï a osé faire un album qui est sorti, on va dire, il y a 2-3 mois. Deux, trois mois. Non, même pas. Deux mois. Un mois, exactement. Voilà. Un mois et quelques. Voilà. Voilà. Et c'est un album qui marche très bien. Ça va, on dit ça. Il y a eu des reprises. Ah, il y a oui. eu votre propre chanson, Al-Ghadr. Al-Ghadr. D'accord. Paroles. Les paroles de Qamreddin Zahraoui, d'accord. que je salue. Et il y a eu la première reprise. Lillahi oui, merci. Lillahi shuftu habibi. Et si je vous disais que celui qui est à l'origine de ce joli texte et cette chanson est autour de cette table. Ah oui. Et c'est Cheikh Nahab Abdelkader Chaou qui est à l'origine de ce joli texte, Lillahi shuftu habibi, qui a été magnifiquement bien interprété par une grande dame de la chanson algéroise, Naïma Zeria. Et on a souvent tendance à dire que c'est le texte de Naïma Zeria, que c'est celui de Cheikh Nahab. Se rendre à César ce qui appartient à Abdelkader Chaou. J'aurais dû emmener le 45 tours. Merci Hichem. Moi j'ai la vidéo. Ça va. Moi j'ai la vidéo. Je la regarde. J'adore cette chanson. Je l'ai chantée au cinéma L'Atlas. Ah. D'accord. Okay. Quand j'étais jeune. Avec Mourde Béchir. Vous aviez quel âge? 20 ans, 22 ans. Ragdek. Il les a toujours. Hein. Oui. Bien sûr. L'âge c'est dans la tête. Alors, même bas, il y a eu la chanson. Bon, j'ai fait une émission avec Tawfiq Romana. Oui. On a fait ensemble. J'ai emmené le 45 ans. Elle a chanté très bien. Parce qu'elle le sait, Naïma, c'est les gens peut-être. Parce que moi, quand je l'ai fait, Mahbouba Dima me l'a fait, mais je tire le nid.
ça fait des années. Après, elle a repris, elle est à Taouhalha, ça fait plaisir. Mouhambela, tu as un autre chanteur. Mouhambela Hassan Saïd, la Rahmo. Ah, d'accord. Non, bah, tu as dit, non, bah, tu as dit, voilà, tu as dit. Et c'est très important. Il est très important de savoir. Non, non, mais d'habitude, ça fait plaisir quand quelqu'un chante. Mais ça qui est cool, parce que Abdelkader, est-ce qu'on peut chanter la chanson de Terre avec plaisir. Chérie, lorsque ça se fait entre artistes algériens, maghrébins, et ça reste un répertoire musical algérien, maghrébin et autres. Mais parfois, nos titres, nos chansons traversent même, on va dire, plusieurs pays pour atterrir au Moyen-Orient. Et sans dire que c'est le texte, ils disent que c'est juste à l'exemple, patrimoine. Voilà, patrimoine. Personnellement, Latif Al-Afaoui, lorsqu'elle a repris Khelleouni Khelleouni de Mohamed Harachi, Rabbi Rahmou, elle avait juste mentionné patrimoine. Chanson du patrimoine, or qu'il fallait juste préciser que c'est une chanson de Dehmel Haraji. Et c'est aussi Dehmel Haraji Rayah, Dehmel Haraji c'est Khelleouni. Et pas uniquement Ratif Al-Afaoui. Mais cache les Nbaha, il n'y a personne qui lui a dit. Elle n'est pas dans le patrimoine. Il dit les c'est un oubli. De... Il chante comme ça direct, mais souvent c'est fait exprès. Ouais, moi, je me suis renseignée auprès de Landa en reprenant Salit Rash Kalvé pour refaire la pochette du single. Et c'est une chanson de Mahmoud Bati. Mahmoud Bati. Amar Zahi. Boujama Al-Anqis aussi, il a chanté. Mais Amar Zahi. C'est pour Amar Zahi. Moi, j'ai rencontré Mustapha Toumi, Allah yerhamou. Et on a passé deux heures en tête à tête pour savoir s'il est. Il fallait qu'il me connaisse pour savoir si je pouvais chanter « Subhanallah Yaltif ». Je suis allée lui demander son autorisation. Il m'a dit « D'abord, on va discuter ». Et donc, on a discuté. Et après ? Et je suis partie avec son manuscrit qu'il m'a dédicacé en m'écrivant « Si toutes les Algériennes s'assumaient comme vous, le pays serait sauvé ». Je l'ai, cette phrase, chez moi. Ça a été fait en bonne et due forme. Oui. Et c'est respecté ? Oui, oui, bien sûr. Et là, Rahmo, vraiment, j'ai passé deux heures en tête à tête avec lui. Et c'était fabuleux. Pour qu'il vous accorde... Pour qu'il m'accorde sa bénédiction. Et aussi, il m'a beaucoup parlé de mon papa parce qu'ils se sont connus jeunes. Il a connu mon papa. Ils ont fait une exposition de peinture ensemble. Donc, il m'a sorti toutes les photos des peintures, de l'affiche de l'époque. C'était magnifique. Très bien. Et très vraiment, je suis très heureuse d'avoir rencontré ce monsieur. Et je chante ses paroles et je suis très heureuse de le faire. Et vous avez interprété une chanson de Stamboli ? Mahbub Stamboli. Mahbub Stamboli. Yabhar est une chanson extraite de votre album. Et je pense, si vous permettez. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? On va l'écouter ? On va écouter ? Oui. À l'extrait ? Voici l'estampage. Il y a l'Adraoui. Il y a l'Adraoui de Malik. Qui c'est qui l'a fait ? Aïkhal. C'est Mahbub Stamboli qui me l'a fait. C'était un grand auteur. Et vous avez brillé avec ce titre-là. Ah oui. Il y a l'Adraoui de Malik. Jarbi et Jirani. Ça, c'est Mahbub Bati Jarbi. Excellent. La belle voix de Malia Saadi ce soir, entre parenthèses, avec Yahar, une chanson extraite de son album. Céline, vous nous accordez le micro. Bien sûr. Merci Céline. Accompagnée au piano, sous vos applaudissements, par Amir. Nadjar. Yahar, نشوف ليلة واحدة نقطع البلاد نتعدى ونشوف كحل النظرة والفيش ويرت لوناج كي نرجع ندير وعدة وندير في جبينك تاج موجك سيد قلبي كيا درق اللي بعيد عليا مود دمرت عينيا عذر حالي شوقي هاج لو تدري ما صاير بيا تحزن يا زرق الأمواج وانا ماني بهول مطاري موجك يحكي دمع بصري ديما علاش الطيط حراج ما يهدن مطفى ناري ما يهدن مطفى ناري زيدني
ما احنا وياك ما يهدن ما طفى ناري سيدني ما احنا وياك يا بحر انا وانت خوا هلكون عاصف الهوى موجك ودمعتي سوا من سيل عناصر لدعاش الله يرزقنا بالدواء رب الكريم نعمل فراش انا نبقى بحر غرامي ما تطفاني ران احلامي جزن صاهر طول الدج ونركب فاقود انضمي نركب فاقود انضمي في قميص الهوى نساج ونركب فاقود انضمي في قميص الهوى نساج يا بحر نشف الليلة وحدة نقطع البلاد نتعدى ونشوف كحل النظرة والفيش وين تلغناج كي نرجع ندير وعدة وندير في جبينك تاج مبروك Bravo. Merci et bravo Amir. Bravo à vous, Maya Sadi. Une chanson Bahar extraite de votre album et signée Stambouli. Oui, et musique de Hassan Saadi, mon papa. Hassan Saadi, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci, merci pour cette à toi. Très belle interprétation. Et je pense que Newell Smith. Je réitère, elle a une voix céleste. Ah, non, elle se prépare le dîner. Ah, oui. Difficile. Ben oui. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir, Mounir. Merci je vous invite à apprécier ces purées de. C'est des smoothies. C'est des nectars. C'est des smoothies. C'est des smoothies. Voilà. Ouais, non, c'est pas ça. C'est des smoothies. Oui. Smoothies. Smoothies, c'est Atlem. Ça a de com. Et je me dis que Shirna est très, 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 très demandée. Ça reste. Une icône des fêtes de mariage et un peu partout, vous êtes très demandé. Oui, c'est le cœur. Et même aussi. J'allais dire, je suis entouré avec des belles voix, dire ça. C'est mon honneur, mais ça fait plaisir. C'est nous qui sommes entourés. C'est un honneur. C'est nous qui sommes entourés. C'est comme ça. Une fois, je me rappelle lorsqu'on s'est croisé sur un plateau. Un tétané. Oui. C'était mon plateau télé. D'accord. Et je lui demandé, je me rappelle quel était le secret de ce succès. Et je pense qu'il avait mal compris ma question. Il m'avait dit, bon, j'ai une belle voix, je ne fume pas, je ne bois pas. Après, j'avais cette réponse. Et la réponse était la modestie de ce grand monsieur. Vous savez, c'est un artiste très, très, très accessible, Noël. Il est humble. Oui. Il est humble de sa personne. Il est resté toujours le même. Je ne l'ai pas connu autrefois, mais je pense qu'il est resté toujours le même. Un grand monsieur et qui aime tout le monde et c'est tout le monde qui l'aime. J'aime mon métier, j'aime bien le fin de terre, mais quand je suis petit, je ne sais pas si je suis petit. Alors, je reste comme ça. Fidèle à lui. Tu as un don qui me dit l'insan. Quand je suis en train de parler, voilà, Allah, merci beaucoup. Allah. Et je pense que même nos téléspectateurs se sont impatientés et voudront bien apprécier votre voix. Moi, je n'en ai que le hâte. Vous vous allez apprécier ça. En attendant, vous allez vous préparer. Neil Smith. J'appréhende. Mais non, faut pas. Ah, bah si. Non, oui, d'accord. Elle a dit j'appréhende, je lui ai dit non. J'appréhende quoi? On est là entre amis. On se découvre, allez, on apprécie. En attendant, on va apprécier. Ouais. C'est des toasts avec du sang. Allez, on va manger d'abord. Oui. On va dire c'est très très diététique que vous avez. Oui, ça va. On est tous au régime là. Pas, pas moi. Allez, tu es mon bon. C'est très bon. C'est
très bon. Et c'est notre. Et après, on met une note, c'est ça? Ouais. Voilà. Putain, on va noter la voix de Noël. Hein. Ouais. Ah, non, faut pas lui mettre la pression. Alors, je suis sûre que ça va être magnifique. Merci pour moi. Ça ne va pas sortir d'ici. Ça va sortir toi, belle. Avec ton nez bouché. Et vous savez quoi? On est entre amis. On mange pas la bouche pleine. Alors, plus d'or, mon Je sais pas comment on ferait pour pas manger la bouche pleine. Des petites bouchées. On parle pas la bouche pleine. Vous savez, en attendant, la belle voix de Noël Smith. Ça sera après le journal. Ciao. Ah. Ça va? C'est un peu salé, mais bon. C'est du saumon, mais bon. C'est du saumon et du caviar. Mmh. Ouais. Ça va, Céline? Vous aimez? Très bien, très bon. Tranquille. Très bien. Bah, je suis en train de rompre mon régime. Tout comme moi. Bah. Bizarrement. Bizarrement, oui. C'est exceptionnel. Mais écoutez. Faut profiter c'est de léger des concombres, c'est très léger. Très très léger. Et bon. Clean al-ma wal malha tawa. Ça y est. Comment? Clean al-ma wal malha ma ba'd. Voilà, ça y est. Hada merda hada. Voilà, attention. الله يخلي المحبه بيناتنا امين امين صافي بغا جو القعده شابي كو على بالك شيخنا و بابي جو بو شونتي وي 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 صاحب شي الماكله يا انا مغرب شنو نسناوك نسناوك شيخنا لو زانكيتي با اي لو طون سو فوز ابلوديسمون نوز ابلوديسمون نوز ابلوديسمون اي با تنستالي شيخنا عبد القادر شاعو اي اون اتوندون ماليا سا فا زعما C'est bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est très très bon. Le micro. Merci Sofiane. J'ai pas de fourchette. Bah, si, elle est là. Si, j'ai ma fourchette. Oui, oui. Mais tu me l'as piqué. Oh là là. C'était la fourchette. Je pense qu'on a. C'était la fourchette donc de Malia. Ça va pas alors? Ça va super bien. Vous aimez? Ça va. Oui, très bien, merci. Tranquille. C'est trop bon. C'est très fin. Très salé aussi. Très salé, fin, oui. Adorable, on se donne des compliments. Hein, voilà. C'est pas vraiment bien préparé, mais bon. Oula. Non, non, c'est très bon. Voilà. Céline, parlons d'art culinaire, elle va parler de manger. Ah, Céline, maintenant, si elle, tu parles de manger, elle va te parler de Ducamp. De du régime. Du régime. Arrête de... On est à l'antenne. Oui, oui, mais bah, à l'antenne. Et là, je pense que les régimes, en voiture, voilà, avec des noms, avec des... Non, mais les régimes. Mais je me dis que c'est une hygiène de vie, c'est respecter les... À ce qui paraît, il faut respecter les trois... Repas. Les trois repas. Voilà, les trois repas. Tout à fait. Les trois repas. Pas grignoter. Je pense que c'est un sport national, grignoter. C'est tellement bon. On peut pas s'empêcher. Voilà. Il faut pas manger trop salé, trop sucré, voilà. Et, faire et manger 5 légumes par jour. Et surtout écouter de la bonne musique. Bon. Et surtout écouter de la bonne musique, surtout lorsqu'il s'agit de la belle voix de Shirna Dradar Chao. Oui. Merci Shirna. Ça sera quelle chanson? Ah oui, merci beaucoup. Accompagné de Amir au piano. Alors elle est de paroles et musique de Youssef Misraoui. Que nous saluons. Ce monsieur qui habite en France, à Marseille, Inch'Allah, c'est le mois. À vous, cher nom. عليكم مني سلام الله عليكم مني سلام الله مهب النسيم على الأصغار عليكم مني رحمة الله ما نظرت العيون من الأبصار يا سيدي واجب عليكم الحمد لله ما تألمت مستقيم العين
للعين ميزان والقلب للقلب فازع البيب تجلبوا بالحزان وتهربوا بالمواجع غلقوا الباب يوجي غلقوا الباب غلقوا الباب راحوا صدوا خلاوني اش السبب اسيدي واش السبب واش السبب احباب القلب نساويني Bravo, Rakolbab, superbement bien chanté, bien interprété, comme à l'accoutumée. Un grand monsieur de la chanson chez Abby ce soir parmi vous sur Canal Algérie et à travers, entre parenthèses, je rappelle nos invités ce soir, la belle et grande comédienne Nawel Zemit. Vous me devez de l'argent là. Nawel Zemit qu'on a vu, revu, que ce soit à la télé ou sur les écrans cinéma à travers plusieurs productions cinématographiques, notamment Délice Paloma avec Nader Mornage ou encore Malia Saadi ce soir, oui. Une belle voix de Chabi au féminin qui promouvoit cet art musical, patrimoine musical algérien, on va se limiter à dire algérien ou... Je m'inspire du Chabi, c'est vrai que dans l'album il y a aussi les sonorités un peu de partout, mais ça reste du Chabi algérien, oui. Très bien, très bien. Yassine Mezienne, chanteur slammer et aussi talent d'humoriste. Hein. Par contre, j'utilise beaucoup le théâtre, les arts de la scène.
Bien, que ce soit les lectures scéniques, mais beaucoup plus le théâtre dans certains de mes textes. Très bien. Et d'ailleurs, parlons. C'est amuse. Voilà. Et d'ailleurs, parlant de ça, on va parler d'un événement que vous avez organisé lors de la première semaine de novembre. Effectivement. Toujours en 2014. Presque. Oui, presque. Oui, oui, c'était lors de la première semaine. Voilà, le 30 octobre. Voilà. Ah, d'accord. C'était à la fin. Ah, tout à fait. Oui, oui, c'était le 30 octobre. Alors, autant pour moi. Et Cheikh Nabien, évidemment, avec Radacha. Encore une fois, bravo pour la belle interprétation. Merci. Céline Belmoussa. Très jolie, très souriante, très talentueuse. Merci beaucoup. Notre invitée, je pense qu'elle est. Elle est algérienne. Cérine, elle est très proche des Algériens. Des Tunisiennes, voilà. Elle est en Tunisie. Cérine est très proche. Comment? Même en Tunisie, parce que je chante beaucoup de chansons algériennes. Et Cérine chante du Chaabi aussi. Et elle, voilà, et on va dire. Il faut le savoir, quand même, elle chante du Chaabi de manière merveilleuse. Et en plus, elle a un accent tunisien qui donne un charme extraordinaire. Terrible. Et en face de vous, bien évidemment. La voix montante, celle de Tarek Lokley, qui est de formation andalouse. Aujourd'hui, ça y est, il fait du marocain, de l'algérois. Ça y est, allez, oh, soyons fous. Et que l'ambiance commence. Commercialisée. Et oui. Que l'ambiance commence. Et que l'ambiance commence. Vous avez tendu la perche, Malia Saadi. On voudrait bien écouter Céline Belmoussa dans un petit extrait a cappella, comme ça, dans ce qui est Chaabi. Chaabi, oui. Je signale et je rappelle que nous avons écouté. Tout au début de cette magnifique soirée en votre compagnie, la chanson d'Emma, qui est écrite par vous-même. Et là, un petit extrait de Salut Talachia, d'accord. Ah oui, d'accord. Allons-y. Et en fait, je vous avec Céline, juste à côté, le petit micro. D'accord. Rien que pour Céline Belmoussa ce soir. Oh, merci. Le micro. C'est moi. سالت رش قلبي يعطيك اخباره انتي مالك تدري ما بيك خليه يشتكي يحكي لك حواره تما تعذبي واللي انتي تشفيه سالت رش قلبي يعطيك اخباره سالي 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 تعذبي واللي انتي تشفي تما تعذبي واللي انتي تشفي شواق وشواق هول شواق انت اللي احبابي زادوا زفرات زادوا زفرات زادوا زفرات انت اللي احبابي زادوا زفرات واخدوا زادوا زفرات انت اللي غرامك هيج شواق وشواق هيج شواق ما هيش غير مرة كم من مرة كم من مرة كم من مرة ما هيش غير مرة كم من مرة توخذوا كم من مرة سالي على حوالي وطفي جمارو ساقسي على حياتو راهي تنبي ما سجون بين حيطان ما جاب اخبارو حلي عليه باب القفص تلقيه سالي ترش قلبي يعطيك اخبارو سالي 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 تعذبي واللي انتي تشفي
ما تعذبي واللي انت تشفي تم ما تعذبي واللي انت تشفي تم ما تعذبي واللي انت تشفي Bravo, Céline Mimouza. Là, je passe la parole à Cherna. Un avis, Cherna. Oui. Une note. Non, ça fait plaisir parce qu'elle a chanté une chanson d'Amar Zahé que. Allah Ibarak. En Tunisie, mais qu'est-ce qu'il y a d'Arham ? Non. C'est une chanson Chabia à Tunis, ça fait plaisir. Allah. Même c'est pour tous les chanteurs Chabia ou de la Kemenou. Oui. Ça nous fait plaisir, Allah. Merci. Très bien, c'est un honneur pour moi. Bravo, c'est les mêmes ça encore une fois. Elle a chanté bien, avec sauf, mais à la fin, tu sais qui fait ça. Alors, je crois que on est dans la douche. On est dans des belles voix. On est dans des belles voix. Voilà, les options. Je voulais garder la touche tunisienne. Ah oui, là, c'est garder la limitation. Voilà. Bravo. Attends, un accent tunisien. Et une petite anecdote, c'est que cette chanson, je l'ai enregistrée à Alger. Oui, d'accord. Avec un arrangement. Algérien Zino Kandour et en fait on avait enregistré une première version et le lendemain je reviens je lui dis non Zino il faut que je refasse avec mon accent tunisien sinon ça va être de l'imitation et on a refait et d'ailleurs ça donne tu as bien fait. Un très beau produit une très belle reprise. Bravo, bravo. Et aussi, merci elle participe à la promotion de la chanson Chabi en Tunisie, pas uniquement en France. Ouais. Bravo, Céline Mimouza. Vous tracez plusieurs singles ouais. et pas d'album. Pourquoi vous ne regroupez pas tous ces singles en un seul album hein? Alors, c'est vrai que j'ai pas mal de chansons à mon actif, mais j'ai pas enregistré d'album. J'ai soit des singles, soit des lives de spectacles. Très bien. Je me sens plus à l'aise sur scène, en fait. J'aime bien communiquer avec le public. Et il y a une espèce de frustration quand on est en studio. Je sais pas, ça manque d'émotion, ça manque de vie, voilà, de vivacité, exactement. Mais là, il y a un projet d'album avec un arrangeur algérien. Encore. Et c'est pourquoi on la demande de nationalité. La naturalisation. Je n'ai pas besoin. En tout cas, nous, on l'a adopté. Ça y est, ça maintenant, voilà. Et Céline fait partie du Chabé au féminin. Voilà. Donc, on est aussi sur le même spectacle. Et vous êtes ensemble. Plusieurs, vous êtes six. On est six femmes, six chanteuses. Voilà, Malia Sadi, Céline Benmoussa, Amina Karadja, Meryem Belbi. Voilà. Hind Abdelali, qui chante, qui rend hommage à Charo dans le spectacle d'ailleurs, excellent. Avec la chanson celle dont on parlait tous. D'accord, parce qu'il y a une soirée le 6 décembre. Oui, et le 6 décembre, on est ensemble. Ils vont faire la première partie. Et moi, je fais la deuxième partie. Pour fêter mon anniversaire. Ah, en plus. Joyeux anniversaire. Le 6 décembre, c'est Céline, en tout cas, longue vie. Ça se passe à 18 ans, Maya. À Saint-Denis. Non, 17. Non, il ne faut pas tricher. Approche-la, ça, je ne connais pas la salle. C'est le théâtre Gérard Philippe. À Saint-Denis, voilà. À Saint-Denis, Paris. Paris, Narnieux. Le 6 décembre, voilà. Eh bien, bravo, bravo, encore une fois. Merci. Eh bien, la smoke. Oui, oui, Amazon, ma femme. Salam alaikum. Salam. Test, test, bon. Un petit slam. Petit. Pour le fun, allez. Allez. Oui. Et un slam signé, c'est nous dire. J'ai pas d'autre slam signé à quelqu'un d'autre. Non, mais écoutez, on peut interpréter des slams. Est-ce qu'on dit interpréter un slam? Oui. On dit interpréter un slam. Ou slam, mais c'est de l'interprétation. D'accord. Slam team. Oui. Il y a une gestuelle, Il y a un gestuel, c'est... D'ailleurs, il y a même une formation hein, qui est mimique et gestuelle. Ah, carrément. Oui. Il y a art de la scène, lecture scénique. Moi, j'ai suivi toutes ces formations. Théâtre, c'était pour connaître côté cour, côté jardin, côté... voilà, il y a poésie classique. Et puis, il y a aussi jeu de mots, tout ce qui est articulation. C'est important. Oui, c'est important parce que l'articulation, c'est très important. Et c'est très important de vous écouter ce soir. avec le micro, c'est ça. Okay. Je vous offre le micro. Merci. Allez, Céline a le monopole du micro ce soir. Très bien. Voilà, je suis un vieux. Et j'ai 90 balais. Je crois que l'ange de la mort a oublié de venir me chercher.
La vie, c'était bien, ça s'est bien passé, mais ça devient long, j'aimerais bien y passer. Je vis dans une maison de retraite et j'ai l'impression d'être au musée, car je suis très souvent exposé avec d'autres vieilles antiquités. Bon, il y a ma famille qui me rend visite pour voir si je n'ai pas crevé. Comme on dit, la mauvaise graine ne meurt jamais et pour l'héritage, ils peuvent se gratter. Oh, cette époque me donne la nausée, car je trouve que l'Algérie s'est métamorphosée. Alors, aux maisons de retraite, on me dit qu'il faut que j'arrête la cigarette. Oh, parce qu'il paraît que c'est un danger. Mon fils, à 90 balais, tu crois que c'est maintenant que je vais oser? Et puis, à la maison de retraite, c'est là qu'on perd nos amis plus qu'ailleurs. Ce n'est pas par conflit, c'est juste parce qu'ils meurent. Je trouve que l'Algérie s'est métamorphosée. Entre nous, cette époque me donne la nausée. Car si on devait comparer, eh bien, les femmes à mon époque, elles étaient pudiques. Alors qu'aujourd'hui, elles montrent leur peau bien bronzée. Les femmes, les hommes à mon époque, c'était des durs, malgré la mocheté de leurs moustaches. Aujourd'hui, ce n'est pas mieux. Avec les pantalons baissés, c'est un éniche. Mais tout n'est pas si mauvais. Il y a des choses positives dans ce qui a changé. Aujourd'hui, la femme est plus libre. Elle peut ouvrir la bouche et rire à tes bonnes blagues, alors qu'avant, si elle levait les yeux, elle recevait une bonne claque. Aujourd'hui, jusqu'au mariage, pendant toute cette période, si tu ne lui plais pas, eh bien, elle peut toujours se sauver. Et puis, il faut dire qu'à mon époque, les femmes se contentaient de ce qu'elles avaient. Aujourd'hui, elles se contentent, chers hommes, de ce que vous, vous avez. Et je trouve que cette époque me donne la nausée, car beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, en Algérie, il y a le pétrole. Ça prospère, c'est vrai. Mais un jour, il n'y en aura plus. Et moi, j'aurai crevé. Toutefois, j'espère que l'Algérie restera toujours belle, entre des mains pas trop sales, qui prendront toujours soin d'elle. Quant à moi, je voulais vous parler d'elle. Celle qui a fait chavirer mon cœur. Autrefois, c'était ça le vrai amour. Car croyez-moi, mes fils, l'amour, vous le comprendrez avec l'âge, que le vrai amour, c'est après le mariage. Quant à moi, si vous pouvez juste débrancher l'appareil qui me maintient en vie, comme je ne pourrais pas le faire après, par avance, je vous en remercie. Bravo, vous êtes pas d'accord. Et là, je pense que nos téléspectateurs et téléspectatrices ont eu une idée sur, sur quoi on parlait tout à l'heure, tout au début de cette soirée. Bravo, oui, bravo. Merci, c'est gentil. Et vous parlez de ce vieux qui est limite dégoûté de cette... Enfin, pas dégoûté, on va dire. Voilà. Il est en train de vivre la comparaison assez, assez difficile à accepter. Effectivement. C'est juste un constat. Et vous allez vous faire des ennemis. Ennemis femmes. Merci de nous avoir traité de pupilles. Non, on va dire que c'est de l'humour. On va dire que c'est de l'humour. On a de l'humour, en fait. Ah, d'accord. C'était drôle et triste à la fois. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est drôle et triste à la fois. C'est vrai. Ce, on va dire ce vieux assez, avec son coup de gueule.
mais qui regrette certaines choses. Et c'est un peu ça. C'est joliment. Ça, c'est dans une chanson de mon père. Mais c'est, je trouve qu'il n'y a pas de quoi vraiment. Moi, je revendique. C'était beau le Hayek, c'était beau. Dès que l'époque, c'était magnifique. Très élégant. Et les femmes étaient très élégantes et limite provocatrices avec leur Hayek. Ben oui, on voyait la jambe. C'était caché pour montrer autre chose. Donc finalement, la femme algérienne a toujours été moderne. S'il y a une chose à regretter, toujours. S'il y a une chose à regretter, c'est la plus grande déception. C'est qu'il faut le dire, hein, faut pas, comme elle a se dit mentir. Faut pas se mentir. Ça commence bien. Ça commence. C'était dit. Il y a un début à tout avec. C'est un mode de vie. Salam alaikum. Le plus grand regret, c'est Nia. D'accord. C'est vrai, c'est la bonne foi. Bon, écoutez, on parle de Nia, c'est très important. Je pense que Nia, c'est individuel. Alors, je vais donner mon avis encore une fois. Nia, c'est pas un produit qu'on a, qu'on puisse de produit, ça y est, c'est épuisé, salam alaikum. Je veux dire que chacun a ses principes, a eu sa propre éducation et sa vision des choses. Je me dis, Nia, Nazman Igolo, Mounia, la Marbashi, Khorja la Kher. Et c'est ça, le Wahdi Kuna, la Nitu. Et puis, Nia, c'est. Voilà. Nawal, oui. Nia, c'est la quintessence de tout. Ça inspire la confiance. Quand la Nia, on ne réussit pas sans Nia. Il y a tout de même une métamorphose de nos sociétés. Avant, on n'avait pas de maison de retraite. Je vous interromps. Pour Tarak, allez-y, préparez-vous pour la chanson. Alors, Céline. Avant, on n'avait pas de maison de retraite pour les personnes âgées. Ils vivaient avec nous à la maison. Et là, à travers son texte, on retrouve aussi un phénomène. C'est une déception. Voilà, une des déceptions. C'est pour ça que j'ai dit que c'était drôle et triste à la fois aussi. Et lorsqu'il parle de séparation avec des amis, et c'est la mort qui les sépare. C'est pas autre chose, ni l'argent, ni les femmes, c'est la mort qui les sépare. Et je me dis, Nia, c'est pas juste pour le dire aussi. Aussi. Alors, les sources d'inspiration de Yacine Mezien, c'est un peu de tout. L'amour, la vie, vous avez dit que... Oui. Ah, je pense qu'il a quelque chose. Juste pour raconter l'histoire de ce texte, on m'avait appelé pour jouer dans une maison de retraite. Et C'est-à-dire c'est-à-dire avec mon groupe, parce que je suis suivi par des musiciens. Et vous évoluez. Je me permets, c'est ton texte, c'est toi qui as écrit ? Oui. Ah oui, bah, encore plus bravo. Il a dit, il n'y a pas d'autre slam signé. Merci. J'ai pas fait attention à ce passage. Bravo. Donc, c'était une maison de retraite et je me suis dit, quelle est la chose ? Parce qu'en fait, à chaque fois où je vais dans un endroit, c'est un principe que j'ai, j'écris quelque chose qui s'adapte à cet endroit. Mm-hmm. Je suis allé à la rencontre d'une ancienne combattante palestinienne, j'ai écrit un texte sur la Palestine. Je suis allé à une école d'informatique, j'ai écrit une histoire d'amour entre Java et Marshall, qui est une formule de mathématiques pour les informaticiens. Mm-hmm. C'était pas facile à faire. Donc, la maison de retraite... Voilà. La maison de retraite, je me suis dit, quelle est la marque ? Parce qu'à chaque scène, on garde une trace de chaque scène. Et quelle était la trace à garder ? C'est d'essayer de se mettre dans la peau de ce vieux monsieur qui a vécu différentes générations et qui voit la métamorphose. Et parlant de cette métamorphose, on parlait de Nia et on parle aussi de trahison, le ghadr. Ouais. L'adar, parlons de l'adar. Sinon, oui, j'écris sur l'amour, les femmes. Oui, voilà, sinon. C'est sinon. À temps perdu, il écrit sur les femmes. Quelle délicatesse. Eh ben, faut me connaître parce que j'écris beaucoup. Avec des pincettes. Ah bah oui. Attention. Moi, j'ai appris qu'il était champion du monde de slam. D'accord. Je pense 2011. Qu'il faut le dire quand même. Ah oui. Champion du monde de slam 2011. Et qualifié pour... C'est une fierté, dis donc. Pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2015. Bravo. Excellent. Inch'Allah. Avec quelqu'un c'est d'autre. C'est tout un autre honneur. Nous, Algériens, représentants, excellent. Très sage. Très... La star du slam. Ce que je voulais dire, tu n'as pas des chansons Agda. Si, ça m'arrive. Moderne, Chabi. Ça m'arrive. Tu écris en français une commande. Tu écris en français pour 2015. Voilà. En arabe, français et kabyle. Ah, c'est bien. Super. Et disait l'ordre, on parlait d'ordre parce que vous m'avez brûlé la transition. On est gros sur la patate, hein, vas-y, on parle d'ordre. Non, vous m'avez brûlé la transition. Là, alors, l'ordre, c'est le titre. Alors, c'est le titre de Tarak Loqlaï, un titre, le tout premier titre. Voilà, ça y est, on fait l'équilibre. L'ordre, entre autres des titres, Lillahouin, Shfitou Habibi, Mazal Hay, Mazalou encore,
شلوح مغربي مرحبا بكم كاملين. طارق لقلعي سوسوا دون اونت بار وي شيخنا جو با هذيك تاع لا وين شفتوا حبيبي يا وسي سيد احمد الحبيب الى انجستري اوسي داكور تري بيان اي سوسوا با لا بيل فوا دو طارق لقلعي سيد احمد سالو سيد احمد الحبيب عدو صيفات قلت صبر دوايا في كل باب نلقى عتبات ماني طامع في سرايا الغدر عدو صيفات قلت صبر دوايا في كل باب نلقى عتبات ماني طامع في سرايا شحال شحال دخلت من دخلات وسمعت شحال من حكايا شحال دخلت من دخلات سمعت شحال من حكايا خلت في قلبي حسرات ودموع العين جرايا يا ويحي من خانو ركبات ولا جاهل بلا قرايا شمعت وتطفى بنسمات بعد ما كانت ضويا عرفت راحة بيد وزهوي بشقايا في حياتي عرفت راحة تبدل زهوي بالشقايا زهوي الدنيا ساعة والجنة هي الغاية شحال من غاني عرات وبقى للناس الشفايا حكايتي فيها حكايات بكي نكبر وصبايا قبل سلال وخبايا حد مدرى بليامات المستقبل سلال وخبايا الروح في الجسد فنت عامل في الله رجايا يلا نسينا الرحمات ودينا من الدنيا نقايا نسيت وطويت الصفحات ورميت الماضي ورايا الغدر عدد وصيفات قولت صبر دوايا في كل باب نلقى عتبات ماني طامع في سرايا الغدر عدد وصيفات قولت صبر دوايا في كل باب نلقى عتبات ماني طامع في سرايا L'Ardeur de sang, premier album, ton nouveau-né, disponible chez vos bons disquaires avec sa chanson, la chanson L'Ardeur, et on va dire 13 autres reprises.
notamment le répertoire marocain. Bravo, merci. Merci beaucoup. Nous n'avons pas attendu pour apprécier ce que Hichène nous a préparé, le chef, mais je pense que c'est un c'est bon, bon plat. Ça a l'air bon. Ah, Nawel, c'est épicé, c'est très bon. Et je pense que c'est hindou. C'est hindou, voilà. Ouais. Voilà. Et nous saluons tous ceux, celles qui sont amateurs. Tout ce qui est hindou. C'est très spirituel. J'adore Janito. Ah, j'adore, on adore. Oui. Janito. L'enfance, c'est Anaga, Janito. Yaramutski. Faut pas oublier Janina aussi. Janina. Les femmes, on disait tout à l'heure. Yamanina. Yamanina. Bravo, Tara. Merci, mon Dieu. Sahtek. Merci, merci. Sahtek. Je vous laisse apprécier. Bon. On va manger. Amer. Un petit extrait, Amer. Un petit extrait musical, parce que je pense que Amer a mangé lui avant de. Ça, il est bon, il est très bon, il est en bon terme avec Hichène. Il a mangé avant de commencer, bien évidemment. Bien sûr. En tout cas, merci. Alors, ça va? Ça va, ça va. Tranquille. Ça va, très bien. Parce qu'il paraît, il ne mangeait pas. Ne mangez, ne parlez pas, parce que moi. Là, apparemment, j'ai tout inversé ce soir. On mange pas la bouche pleine, enfin. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Merci c'est, à vous. C'est gentil à vous. Ah, bah, c'est gentil. Moi, je ne croyais pas qu'il y avait. Il y avait du poulet. Non, une dîner avec ça. Un dîner, bah si, Ardenac, cher. Bien évidemment. Tu es galant avec ta musique, avec. Voilà, artisto culinaire. Il y a de la bonne gastronomie. Puis on a la chance d'être avec des gens qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre. De l'eau. Oui, vous avez devant vous de l'eau. C'est vrai que j'ai adoré si. Ah, si, non, Adam. Ça me fait chaud au cœur, merci beaucoup. Vraiment. Je suis heureuse de te connaître. Ah, là, voilà. Moi également. Voilà des déclarations d'amitié, d'amour. J'adore faire des déclarations d'amour. En tout cas, là, très bien. Sincère. Et tout à fait, parce que vous l'êtes aussi. Et sincère, vous êtes aussi également très amie, très famille, très proche de votre maman que merci. Nous saluons maman, ce soir. Que j'embrasse très très fort. Merci beaucoup, elle t'aime beaucoup. Adorable. Et moi aussi, c'est réciproque. Elle en pince pour toi. Maman Nadège, que nous saluons. Et est-ce que vous êtes en très bon terme avec elle? Vous êtes maman et amie avec oui. elle. Surtout, c'est votre amie c'est beaucoup plus. C'est votre amie. Mm-hmm. Et lorsqu'on vous propose des rôles, est-ce qu'elle est là à donner son avis? Ma mère m'a toujours... Est-ce que plutôt, vous allez vers votre maman pour lui... demander son avis, voilà ce qu'on m'a proposé comme rôle. Je demande son avis parce qu'on est amis et elle m'approuve toujours, voilà. Elle est là toujours derrière vous, à vous elle... encourager. Exactement. Pour elle, je suis toujours une petite fille, voilà. C'est je suis normal. Sa petite fille. Ça, c'est comme toutes toute maman qui s'inscrit. Voilà, elle a tendance à me materner et c'est ma raison de vivre. Actuellement, des projets, des propositions en vue? Je n'ai pris aucun engagement parce que là, j'ai l'intention de faire un petit voyage. J'ai ma petite famille qui est en outre-mer qui me manque, c'est-à-dire ma sœur, mon beau-frère, mes neveux et nièces. Voilà. Nous saluons ce soir d'ailleurs. Voilà, il y a Ishak et donc je vais faire une petite virée et à mon retour, ça va être la reprise. Voilà, et on m'a dit que Nawel, elle est très magique. Non, mais j'ai oublié. Écoutez, au-delà de la vie privée, c'est mon petit doigt si qui m'avait dit. Il y a si un je mot. Je trouve un prince charmant, ni j'ai oublié. Non, mais on n'a pas dit, on ne voulait pas à parler de ça. Et tu parles de jouets. Jouets, tu vas bien tout tes jouets, toi, par contre. C'est fait. Alors, conseil, déjà, oublie le prince charmant parce qu'il n'existe pas. Exactement. Et si on cherche le prince charmant, on ne se marie jamais. N'oubliez pas, les paroles. Oui. L'amour, c'est toujours après le mariage. Non, mais il est vraiment vieux dans sa tête. Cheikh Nawzat Baraka. Adelhaj. Cheikh Abdelhaj. Ça aide comme encore une fois. Hichène, merci. Alors, c'est du poulet. Sauce indienne. On l'a reconnu. Merci, Janito. Merci. Il fait très indien aussi. Une fois en Espagne, je me suis pris la tête avec un Pakistanais. Et histoire, bon, je voulais juste riposter bon, ça. Je me suis dit, allez, espèce de Janet, ouais. Et alors enfin, c'est limite une excuse, mais bon.
Pourquoi? Bah écoutez, parce qu'il n'était pas indien, il n'était pakistanais. Je ne sais pas. Ça y ressemblait en tout cas. C'était soit parce qu'il voulait vendre des fleurs ou du parfum. Non, parce qu'il avait une dent contre les Algériens. Ah, voilà. Ça c'est autre chose. C'est celle. Non, parce qu'il paraît qu'on est très célèbre à l'étranger. De par notre savoir. Oui. Notre culture, et c'est le cas. Notre culture. Surtout. Question, c'est qu'on ne laisse pas les gens indifférents. Voilà, ça, on est pas c'est fait. En bon ou en mal, on laisse personne indifférent. C'est le plus important. On ne se fait pas arnaquer. Surtout ça. Surtout, on est à la recherche de... Allez, de réduction. Bien évidemment, Maya. Oui, c'est le curry qui te fait rire. Non, j'écoute ce que tu dis. Merci beaucoup. Vous vous rappelez, vous avez combien d'albums à votre actif? Je ne peux pas vous dire. Ça y est, vous ne comptez plus. Les 45 tours, les 33 tours, plus la cassette. Plus, واش نو هذا اللي رانا فيه؟ سيدي وهذا اللي خرج واش نو فيسبوك والخلطه هذه سينجل رانا معمرين فيها صاحبي وين يا صحتك والله سيدي غوليك هو جو كرو سي لو شانتور دو شابي كي ا لو بلوس دالبوم نو دو لوا انا ما افيك محبوباتي اللي ما في بوكو دو كاسيت معاه ديري بزاف الو شاك كاسيت فيها سي شونسون الو حسبي شحال ايه وكاين اللي ما غنيتهمش لدورك مازال اه سي دو والله غير كاينين مازال خير قدام مجد حبي هاد الصوله ماهيش ليك غزيلي قدامي وانا محشو راكم هنا توحشتكم هذا حشناك شيخ كسابين اللمح بالكحل خفينهم كي روزالا Et c'est beau comme texte, et c'est magnifique. J'ai fait un 33 tours que des restes سبعه استخبارات على الشعبي اسكندراني خطره اسكندراني ومن بعد عبد الغني ومن بعد مبروك الرحمن مبروك شكون ثاني القانون اللي كان بوجمعه فرقان الله يرحمه شاكاي في استخبار مازال عندي 33 تور سي ان بيجو والله غير سي ان بيجو Je pense que Cheikh, vous m'avez demandé tout à l'heure si vous voulez écouter la voix de Nawel Nawel Zmej voilà la gabana ma kan walu je vais خليها لك في ما خليهاش في قلبك حد الميكرو راني جاي d'accord très bien très bien très supplice pour ah non mais écoutez شمالي ياكل اللي يخلص دوك pense à la digestion on m'a dit que Nawel Zmej était une grande fan de la grande regrettée Ward Al-Jazeera oui voilà et Je pense que vous aimez un titre en particulier. Tu aimes ce titre, plutôt. Ouais, ouais, Kadelik. Loulel Malama. Oui. Composé par le virtuose Mohamed Abdel Wahab. Je vais faire une petite tentative. Loulel Malama, ya hawa, loulel Malama. لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة وأطير وأرفرف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضاه وأنا بخاف الملامة وأنا بخاف الملامة وأه بالملامة Bravo. Bravo. Et à la question, elle m'a dit, j'ai pas une belle voix. Vous allez avec Cher. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je suis nous. Là, je te produis. Ça y est. Ah, ça y est. Cherchez à voir. Classe. Je suis partante. Merci. Bravo, Nawel Zmej. Aucun détonnage. Très bien. Super. Bravo, Nawel Zmej. Bien enrobé. Alors, la comédie, c'est fini. Ça y est, la chanson. Ah, vous avez, en tout cas, vous êtes entre deux belles voix et en face de trois autres belles voix. Ah, bien sûr. Et un vieux. Un vieux de 24 ans. Allez, on va donner là, ça y est. C'est plutôt maison de la retraite. Ah oui. De Bdiaye, plus exactement. Moi, je connais le père aussi, Ryanberg. Cher Hezolin, que nous savions ce soir. Je ne savais pas que c'était son portrait. Ryanberg. Céline Belmoussa, vous avez une chanson, une deuxième chanson pour nous.
Mais avant cela, parlez-nous de vos, de votre actualité, de vos projets. Et je pense que vous avez un spectacle que vous avez monté avec une chanteuse espagnole, mm-hmm. un spectacle appelé. Alors, de Séville à Tunis, puisque le spectacle, en fait, il s'agit d'un voyage, donc de Séville à Tunis, en passant par le Maroc, par l'Algérie, la Tunisie, etc. Et en fait, c'est un spectacle à travers lequel il y a une petite chronologie, on va dire, historique et musicale. Donc, on commence par de la musique arabe-andalouse, par des textes donc classiques, espagnols, médiévaux. En arrivant vers l'époque contemporaine, en rendant hommage à certains artistes comme Hedi Jouini, comme Céline Lely, exactement, Lily Boniche. Il y a des traductions de chansons, donc de l'arabe vers l'espagnol, des adaptations. Il y a de nouvelles compositions, par exemple le Damra fait partie du spectacle avec une partie flamenco, donc improvisée par la chanteuse. Il y a une chanteuse. Un guitariste et une danseuse de flamenco de Séville, en plus des musiciens. Et attention, les musiciens, il y a des musiciens algériens dans le groupe. Oula. Bah oui. L'Algérie. L'Algérie est toujours présente. Je ne sais pas si Céline qui accompagne l'Algérie ou l'Algérie qui accompagne Céline. En tout cas, le plus important. Il n'y a pas de différence. Tout à fait. Il n'y a pas de différence. C'est une balade épique, originale aussi. Très importante. Ouais. Et là, je vous cède le micro une nouvelle fois. D'accord. Pour une deuxième chanson, cette fois-ci, ça sera. Oui. Je reste dans le thème. Je vais interpréter une chanson de Hedi Jouini, un grand artiste tunisien, La Yarahmo. Je l'ai rencontré avant-hier, il est là. Hedi Jouini ? Non, Hedi qui est là. La Yarahmo. Pardon. C'est Chirnard, c'est Chirnard. Il est spontané. C'est le curé. C'est le curé. Et en fait, il a fait de très très belles chansons, des chansons qui ont été reprises d'ailleurs par exemple Narjes, la chanteuse algérienne, comme Elie Saharouni Aynik. Il y a des chansons qui ont traversé le monde, comme Lemoune Li Gharoumeni, qui a été interprétée par pas mal d'artistes. Alors moi, j'ai fait une adaptation. Arabo-espagnol. Bon, il y a la partie de la chanteuse flamenco, on va essayer de Allez. La chanter. Et sans plus tarder, on va apprécier cette belle chanson par la voix de Céline Belmoussel, notre invitée ce soir, entre parenthèses. Accompagnée au piano par Amiel. عجبك فيها لا مون اللي غاروا مني قالوا لي اش عجبك فيها حبيتوني باش ننساها من
الشمس نبعد عنها وناكل الحوتة في ماء هالسمرة اللي غرت منها حبتوني مش ننساها منا الشمس نبعد عنها وناكل الحوتة في ماء مغرور وعاشق في بدنها مسحور بغزرة عينيها siempre que me preguntaron por qué te quería tanto siempre que me preguntaron por qué te quería tanto les dije para que supiera eres la luz de mi vida عش بك فيها لامون اللي غاروا مني قالوا لي عش بك فيها جاوبت اللي جهلوا فاني خوضوا عيني شوفوا بيها خوضوا عيني شوفوا بيها خوضوا عيني شوفوا Une très très belle reprise de la Déjouinée. Bravo avec une Tunisienne qui reprend un autre Tunisien. Une très belle chanson du répertoire musical tunisien qui a fait aussi, qui a fait des ailes, qui est un peu partout, que ce soit en Algérie ou au Maroc, ou même au Liban, au Moyen-Orient. C'est une chanson qui a été interprétée par, je me rappelle, par Alaa Zalzali, je crois. Je pense que je crois que c'est Alaa Zalzali qui avait repris. Bravo en tout cas, merci. Bravo. Bravo et merci. Bon, nous avons commencé le dessert qui accompagne le thé à la menthe avant vous. Bravo mais à celui qui a fait le gâteau. Bravo. Magnifique. C'est une tuerie. C'est une tuerie ce gâteau. Je veux le nom du pâtissier, vraiment, vraiment. C'est Hichem. C'est Hichem. Entre parenthèses, c'est Hichem. C'est pour ton anniversaire ce soir. À l'extérieur des parenthèses. Pour mon gâteau parce que en dehors de la parenthèse. En fait, demain, c'est l'anniversaire de Malia. Joyeux anniversaire. C'était à moi, on va dire. En tout cas, ça a été comment encore une fois. Merci. Et ben demain, l'achat à Mounir. Ah, c'était à moi aussi. On te congratule, Mounir. Mabrouk. Et celle avec la robe, elle est cool, si c'est pas déjà fait. Et pour bientôt, normalement, le mariage. Ça dépend des régions. Alors, par exemple, si c'est à Constantine, c'est le Malouf, c'est Kifri. Si c'est à Tlemcen, Oran, c'est beaucoup plus, on va dire, de l'Andalou, du Rai. Et, au centre, c'est beaucoup plus Haouzi. Un standard, c'est Zed Nabi ou Oufrah Nabi. Allez, à Capella, allez, allez. Oui. Allez, on va chanter ça. Ça va être trop bien. Un petit extrait. Zed Nabi wa Farah Nabi sallallahu alayhi ashqi rasulillah sallallahu alayhi fi mawla منير صغرتو لعلي صلى الله
رسول الله صلى الله عليه زاد النبي اكسترا في المولد احنا ندخلوا على الوصاب اليوم اليوم لهنايا الناس هذه alors ça donne quoi c'est pas et c'est تعليله تعليله ça donne quoi نبكي انا يا تعليله انت تعليله chaque fois je vais pas chialer c'est mariage ce soir entre parenthèses c'est mariage voilà mariage de mouline لا لا تعليله في شعبي حاجه اخرى ثاني احمد محمد بيان évidemment شكرا حنا alors ça donne quoi c'est مزمو على طلق أرياس الفرح والكمال أرياس والصبيان أرياس مسعودة أرياس عمرها بالمال هيا مشطة وزيدها نعمة وصوت الغناية عند قدها أهمن مال أبوها أبوها وجدها أبخي اليوم اليوم لهنا يا ناس هنيونا من بعد ما تنيونا روحوا وخليونا سيدي يا بنتي يا مفتاح نجوم وزهرك يا لوخيا مع منير اليوم الله برافو بالصحة Il ça est clair que accompagné de Youyou. Hein. Oui. Ça me rappelle. Youyou, ça donne quoi? Ça donne quoi? Quand je veux quelque chose, ça donne quoi déjà? Ça me renvoie à la question que je t'ai posée avant l'émission en disant c'est quoi le thème de l'émission et ta réponse était il y en a pas. Mais c'était le mariage en fait quoi. Bravo, c'est très émouvant. C'était c'est un passage musical très émouvant. Bravo. Eh ben écoutez, toute chose à une femme, mais oh, avant cela. Bon, écoutez, j'ai bien. Bon, le métro, non. Le métro ferme, on va dire. Tramway à 1h du mat. Mais ça va, j'ai bien. Mais je vais demander au chauffeur de vous accompagner, bien. D'accord. Très bien. Oui, c'est vrai. Chirna, préparez-vous pour Ksbaouna Oulida. Ah, écoutez. Note. Mais. Ah, oui. Très bien. Mais avant, Clément Sreran, dernier mot, Chirna. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation à Texas Hacher. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et on est là, Iberk, avec le Finnan Idium. Ça fait plaisir, la comédienne. انيماتور وحبابنا اللي راهم جايين وسلم على الشيخ نسلموا عليه بزاف 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 يسلمك باش كواك شي تويا سي تو شيخ سلام شيخ سلام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم شيخنا بريباري فو على كل حال كوم اون ادي يا دي ان بو دو الاخرين الحفلات اللي عندنا وي وي تفضل تفضل بون ادي بور لو 6 ديسمبر ان شاء الله على باريس او كوتي دو ماليا سعدي اي دو سين بن موسى سلم بن موسى بن امينا جماعة Et moi, je vais faire la deuxième partie, Inch'Allah. Voilà. Et le 31 décembre aussi, une grande soirée avec monsieur Chouhi Linsel Mouali. Merci à l'Allah, Aïch. Et tout le monde va se faire la crème. C'est un délice. Bravo, bravo. Céline, un dernier mot, ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous à travers cette soirée. Franchement, j'ai passé un agréable moment en votre compagnie. C'est pareil, très belle émission, très belle qada. Tarek. Ben merci pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Une actualité, n'oubliez pas l'album disponible de Tarek Lokhlaï chez vos bons disquaires à découvrir en tout cas. Édition Padido. Édition Padido, oui, paru. Voilà, ça y est. Hagda on sait jamais la promotion, on est tombé, d'accord. Il y a du Algérois et Marocain. Marocain. On vous souhaite beaucoup de bonnes choses et bon vent surtout. Merci Inch'Allah. Céline Ben Moussa, à très vite. À très vite. Tarek Lokhlaï. Plaisir. Slam Thin, Yassine Mziane. Des projets. Des projets pour l'avenir, non, mais pour moi. Si, le mariage. Donc,
Nawal est là pour les jouer. Habit Nijouj. Habit Nijouj. Il y a l'album qui se prépare. Donc, c'est un album où je vais chanter. Il y aura du théâtre, il y aura du théâtre pour bien qui sera écouté. Il y aura des chansons, un mélange de styles, un melting pot de plusieurs styles. Donc l'album, ça sera une sorte de khalota musical, artistique. Au sens propre. Khalota bien fait. Ouais. Voilà, voilà, une tchouka. Un cocktail. Voilà. Cocktail, voilà. Sinon, voilà. Et merci, merci encore à une vous fois, merci. De nous avoir invités. C'est moi. Devant, à côté de gens qu'on a l'habitude de voir à la télé. Monsieur Abdelkader Chaou. N'oublie pas les autographes à la fin. Bien sûr, ah, oui. Voilà. Les photos Facebook, selfies. Okay. Merci, Sylviane, et nos salutations à votre papa, Monsieur Izoran. Merci. Malia Saadi. Moner. Merci, ce fut un plaisir de vous voir. Je me suis régalée, j'ai bien mangé. En tout cas. Bravo au chef. J'ai pas beaucoup chanté, mais j'ai bien mangé. Non, mais vous allez chanter. Non, un petit extrait, bien évidemment. Je veux dire, je me suis régalée. Là, c'est le plus important. C'est très bien. Votre actualité, au-delà de la promotion de l'événement du. De l'événement. Alors, pas mal de dates. Chabé au féminin. Voilà, j'y arrive. Pas mal de dates à Paris pour mon projet solo, pour mon projet avec le Chabé au féminin, avec Cérine et toutes les autres filles. Et puis, le plaisir, bien sûr, toujours de revenir de temps en temps en Algérie pour faire quelques dates comme ça. Excellent. C'est un vrai bonheur. Ça, première chose due, avant de terminer avec Nawal Zmit, notre chère Nawal, comédienne, talentueuse. C'est la vérité, mignon. Je le dis, c'est pas parce qu'on est amis, d'accord, d'accord. Faut le dire. On est amis. On est amis, voilà, d'accord. Je vais prendre le micro à monsieur Chaou. Vous allez nous interpréter un petit extrait d'une chanson. Salut, bah si. Cherna, si vous permettez, je vous prends le micro. Moi, il y a un extrait, mal comme le Mac. Je voulais y échapper. Je pensais que c'était la fin de l'émission. Mais non. À la chimchit. Voilà, c'est bien de chanter, wesh. Voilà, aussi. Non, un petit extrait. Un petit extrait d'une chanson. Tu veux quoi? Bah, c'est comme tu veux. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Le chemin. Alors c'est oui, c'est la chanson en tout cas qui dans l'album a marqué les esprits et qui notamment j'en suis ravie. C'était un gros risque de chanter cette chanson et c'est la chanson qui est le plus diffusée en radio et qui est le plus regardée sur internet, donc voilà. Super. Donc pour te faire plaisir. Merci. Et nos téléspectateurs. C'est pour faire plaisir, oui, bien sûr, aux téléspectateurs. La petite Thierry. et nos invités ce soir. Alors, subhanallah ya latif. Tu veux m'accompagner au piano? Ah, en do? En do? On dormira bientôt. زغلول لطيف يا عريف نحكي لك وفهم في سن الورد والربيع باهيل وصاف مغرور بريش وضريف جني متخاصم سلة سيف وقال لي يا عندي خلاف اوقف في دان التشريف من أهل الخاتم وري لي وين وصلتك قوة الأكتاف جاوبت أنا وقلت كيف ما جيت تكلم بكلام الغيط واشهدي غضبة وزعاف يحسبوا كل شي خطيف غير أجي وصدق واللي بقى مع التوال قالوا زحاف سبحان الله يا لطيف انت اللي تعلم كاين شي ناس مصحاهم يقولوا خاف سبحان الله يا لطيف انت اللي تعلم كاين شي ناس مصحاهم يقولوا خاف. Merci Malia Saadi, bravo, bravo. Merci. À très très bientôt. À très très bientôt sur Alger le 6 décembre. Le rendez-vous est pris. Cher Nard avec le micro. Je me dis à très très bientôt. Ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous.
On termine avec le Behja ou Naoulida. Le Qasba ou Naoulida. Mais avant cela, Nawel Zmit, merci d'avoir accepté notre invitation, Nawel. À très très bientôt. Merci à toi. Votre actualité? Aucune pour le moment. Je vais faire une petite escapade du côté de La Rochelle. Soirée féerique. Oula, avec, sud-ouest. C'est très joli. C'est une ville à ses côtés. Donc, soirée féerique avec des gens féeriques. Et encore une fois, je te congratule vu que tu convoles en juste noce dans peu de temps. Merci beaucoup. Mbolok. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ça va droit au cœur. Merci beaucoup, Nawel. Je sais que tu seras un très gentil mari. Voilà. Très aimable, très avenant. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. C'est une vénard. Darbi kemmelkom, Inch'Allah. Inch'Allah. Les chiouches. À très très bientôt, Inch'Allah. Embrassez votre maman de ma part. À très très bientôt. Et ta maman également. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ces 90 minutes entre parenthèses avec vous sur Canal Algérie. Merci d'avoir choisi notre chaîne pour votre soirée. On se donne rendez-vous très vite, très très vite avec d'autres invités et aussi une autre bonne ambiance. Je vous dis bon retour chez vous, que ce soit pour vous à Paris, que ce soit Céline à La Rochelle, d'accord. Prenez Algérie, Algérie. J'habite Alger. Super, merci, à très bientôt. Merci Chirna, merci à Amir Ben Abdelhanja. Hassan Chakour à la réalisation, au script, Anna Soraya Hmoudi et chef d'unité de production, Amel Messaïd. Prenez soin de vous, surtout des personnes qui vous aiment. À très vite, au revoir. الظرف الطبع شلا فيه نويه